Drop it. Bonjour à toutes et à tous, ici Arnasco ou Wolfarion, comme vous le souhaitez, on se retrouve aujourd'hui sur Skyrim à poil, la suite du pétage de câble plus total. Alors, je vous explique. Oui, certes, un des épisodes précédents, une grosse partie est manquante parce que c'est corrompu. Je sais, j'étais là lors du montage. Deuxième chose, oui, j'ai essayé de... Enfin, parce que je vous explique en fait le truc, c'est que Shadowplay... C'est un truc qui enregistre une vidéo avec un nombre de FPS variable. Donc admettons que j'enregistre à 60 FPS, mais que tout d'un coup, je sais pas, le jeu a décidé de descendre à 50 FPS pendant une période de 5 minutes. Ça va donc faire un fichier avec 60 FPS, puis 50 FPS, puis 60 FPS. Pas problématique en soi. Le problème c'est que Adobe Premiere Pro, lui... Il a décidé que ce serait un nombre de FPS fixe avec les fichiers avec lesquels il travaillait. Ce serait des fichiers avec un nombre de FPS fixe. Ce qui fait que le 60-50-60, pour lui c'est 60-60-60. Ce qui fait qu'il y a moins d'images. Ce qui fait qu'il y a un décalage de son. C'est cool. Bon, il y a un moyen très simple de fixer ça par la suite, hein, c'est pas ça le souci. Le souci en fait, c'est que je me suis dit, allez, je vais éviter de faire du montage, je vais enregistrer avec Fraps. Et puis ça évitera à nouveau une éventuelle corruption de fichiers. Ça, je suppose que c'est aussi avec le problème de FPS variables, machin. Je ne sais pas. Donc je me suis dit, j'enregistrerai avec Fraps. Sauf que vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir dans ce screen là, mon disque dur est assez plein. Donc je ne sais pas si ça supportera une... une session avec Fraps, parce que bon, je vous rappelle que Fraps, une minute d'enregistrement fait 5 gigas à peu près. donc on va éviter. Donc voilà, je suis reparti sur le Skyrim de base avec Shadowplay. Tant pis, ça me fera plus de montage dans le doute, voilà. Et moi j'ai la musique épique dans les oreilles, du coup je vous l'aurais mise aussi parce que c'est fun. Voilà, je n'aurais pas la musique que je mets d'habitude dans le menu parce que c'est comme ça. Et écoutez, on y va, on charge. Alors du coup je sais exactement que c'est pas celle-là mais celle-là. Voilà. Je vous avais laissé ici normalement. Voilà. Du coup j'ai également activé une option pour Shadowplay pour surveiller mon taux d'IPS. Donc de FPS. Enfin bon, vous avez compris. Ouais, voilà. Donc déjà ici je suis à 52 FPS quoi, pour vous donner une idée. Donc déjà ça, je vais avoir un décalage par exemple. C'est ça le problème. Bon, ça après vous ne le voyez pas normalement. Par contre, si je me souviens bien. Hein ? Si je me souviens bien, il y a du monde ici. Merci Steam. non mais sérieusement. Voilà, c'est ça. Il est quelque part ici, c'est la merde, il fait nuit. Donc on va essayer de rejoindre l'endroit où on était à peu près, c'est-à-dire... Enfin, où il fallait aller à peu près, donc c'est-à-dire là, juste en face, parfait. Et espérer ne pas tomber sur de trop vilaines créatures entre-temps. Ce qui a l'air d'être déjà... Foiré! Ok, j'ai rien dit, c'est bon. T'es où? Vous voyez rien, c'est ça qui m'énerve. Oh. Regardez, je fais ça, vous ne voyez plus rien, à part mon épée. Sérieusement. Là, il y a un loup. Bon, je montrerai peut-être un peu le gamma pour cette partie-ci de la session, quoi, mais ça fait chier. T'es où, sale bête? Là-bas. Mais il fait même pas de... Ah si, oh, c'est un de glace en plus, donc ça fait que dalle de... Fait que dalle de trucs. C'est pas grave. Oh non, même pas! Allez, Tali! Putain. Oui, par contre, l'arc ici. Oui, sauf ici. Ça, c'est beau, j'avoue. Ça, c'est beau. C'est très beau. J'aime les modes de ce jeu, sérieusement. Waouh. On se calme. Sauvegarde rapide. On sait jamais. Ce qui me met cher, le dragon de sang, mine de rien. Regardez ça, ce qui me met cher. J'avais oublié que j'étais en. Putain, mais il m'a mordu, ça y est, je pique déjà. J'ai fait un impact critique de je ne sais pas quelle manière. J'avais pas un... C'est pas ça que je voulais faire. Ouais. Te souffle pesant, déferlement, flamme. Oui, j'ai flamme, certes, mais bon, c'est... Voilà, quoi. Non, j'ai pas... J'ai pas le truc magique, la lumière quoi. Ça je peux déverrouiller en fait. Corps éthéré, ouais. Le gars il fait ça en plein milieu de tout. Non mais sérieusement. Ah...
T'es où, sale bête? Sale bête? Je vois rien. Il y a un garde dans le tas. Là, ok. J'aurais fait en sorte que vous voyez à peu près la même chose que moi, hein. Sérieusement. Ce que vous voyez, c'est à peu près ce que je vois. Putain. Il est là. Non, non. Ça suffit, dragon. Vilaine bête. C'est tout. On arrête les conneries maintenant, j'en ai marre. Et il fait jour. Il commence à faire jour, j'ai l'impression. Il commence à piquer un petit peu aussi. Genre un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait? Santé. Non, c'est pas ça qu'il fallait. Oh, 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 on voit rien. Je suis en train de le déglinguer, mais on voit rien. J'aime ça. Bref. Attention les yeux. Ah bah c'est seulement maintenant que tu prends une torche, toi. Hein? C'est ça? Carte de la crevasse de merde. Bon, du coup, flèche d'acier, je prends. Ok. Merci. Tali. Tu es où? Tu es là. On voit mieux. Ok. J'ai besoin d'échanger des choses avec toi. Non, c'est pas là que... Oui, c'est là. J'ai toujours ma shop. Ça, c'est cool. Écoute, tiens, cadeau. Également cadeau. Voilà. Je pense que c'est tout. Voilà. Ok, je disais donc, on peut continuer. On va attendre qu'il fasse jour. Genre, voilà, ça sera très bien, je pense. Hein, 7h du matin, c'est plutôt cool d'habitude. Peut-être même 6h, je pense que ça suffira amplement. Oui, voilà. Je vous rappelle que j'aime bien cet éclairage comme ça. Bon, ça risque peut-être d'être un peu trop sombre de votre côté quand même, donc on va attendre à... Oh, c'est très joli comme ça. C'est très 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 joli comme ça. Ah, oh, j'aime beaucoup. Le jeu qui arrive à me surprendre avec des belles couleurs. Oh, mais sérieusement? Bah c'est plutôt cool. Bon, par contre j'ai perdu mon cheval dans la bataille. C'est dommage. Écoutez, oh putain, en plus j'ai tout ça à traverser à pied quoi. Ok, bon. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah oui, il est piaf. Alors, il y a pas longtemps est passé, enfin il y a pas longtemps ils ont décidé que les modes, que certains modes en fait pouvaient être payants sur. Je vais peut-être sauvegarder quand même avant de faire ce saut. Qu'il y avait possibilité maintenant de mettre des modes payants sur le workshop. Je suis contre cette décision. Je suis pas contre le fait que les... Oh, une arfreuse carrément. Je ne suis pas contre le fait que les gens puissent avoir une rétribution pour la création des modes, hein. C'est même très bien. Mais le fait que Valve et que Bethesda prennent 75% de trucs de mode, là je dis non. Là je dis qu'il y a un problème. Et surtout, surtout même le principe de payer le mode lui-même. Je préfère franchement une option de don. Pas obligatoire, mais je préfère franchement une option de don pour soutenir le créateur du mode. Franchement, ça me plairait bien plus que devoir forcément payer quoi. Parce que là, il va y avoir des problèmes. Enfin, oui. C'est clair que là, il va y avoir des abus, quoi. Des gens qui vont piquer les mods et tout ça. Ça va être chiant à reprendre et tout. Par contre, en fait, je suis entré par l'arrière du camp, je remarque. Ça se vend tout ça. Ça pèse trop lourd. Ouais, vas-y, fais kit, je prends quand même. Ouais, non, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup. Du blé, ça. Un œil. Un œil de smilodon. J'ai toujours dit smilodon d'ailleurs, pendant toute une période. Faut s'en rendre compte de ça. Waouh, waouh. Non mais oh. Les parjures, s'il vous plaît. Vous allez apprendre le respect un jour quand même là, parce que faut pas abuser. Ah mais c'est Delphi. Attends, parce que ça j'entends, ça m'énerve. Voilà. Mais c'est Delphine. On arriverait au truc. Bon, attends, parce que là je vois rien avec toute cette vapeur et tout ce bordel. Et il y a du courant, j'arrive pas à aller là où je veux. C'est pas grave.
Ouais, regarde, des raptures, enfin des raptures, oui bien sûr, des raptures. Des parjures et tout qui ont été tués et tout, c'est sympathique. Il y en a encore un là-bas. Esbern, avec son sac. Épique, épique, épique. Bon, ils sont où les derniers? Ils sont où les derniers? Ils sont là les derniers, c'est... Hop. Un atronach de gl... D'accord. Non mais... Pire parjure s'il te plaît. Putain, waouh, elle est vachement... Elle en a du PV elle. Mais elle en a du PG. C'est ce qu'il dit le misérable chat, hein? C'est que tu parles pas à ma poupette comme ça. Saloperie de sale... De connasse de sale... Le prix de la pute. Oui, j'étais pas poli. Oui, je m'en fous. Non mais... Mais te laisse pas... Nous sommes arrêtés. Te laisse pas... Te laisse pas... Te laisse pas insulter comme ça, ma belle, voyons. Mais... Allons-y. S'il te plaît. Du coup, Delphine nous a rejoint. C'est bien. C'est bien. Ah, foutez-moi la paix, dégagez. La tronac de feu d'Esbern. Je peux l'éteindre. Non, je peux pas l'éteindre. Ça me semblait bien quand même. C'est quoi ça? Bonjour monsieur. Mais mes potes, qu'est-ce qui s'est passé, voyons? Ah bah dis donc. Hein? Bah dis donc. C'est pas normal, qu'est-ce qui s'est passé mes potes? Oh putain. Putain, je suis en train de gaspiller toutes mes potions sur des saloperies. Ça suffit toi. T'apprends le respect moi un jour, je te jure. Sérieusement là. Non mais reviens par contre, hein, merci. Parce que t'as de l'or sur toi quand même. Ce serait dommage. Ok. 45 FPS. Et j'ai pas mis de NB. Après oui, j'ai pas non plus... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est une bonne idée, oui, de fait. Mais après, je sais bien que j'ai pas non plus le PC de folie de voilà. Mais j'ai quand même un PC décent et c'est quand même un jeu qui a plus de 4 ans maintenant. Enfin, qui va avoir 4 ans. Non, qui a 4 ans, qui a 4 ans. Il est sorti... attends. Il est sorti en 2011, donc... 3 ans alors. Ah, je sais plus. Un âge en tout cas, ça c'est sûr. Mais voilà, bref. Qu'est-ce que c'est? C'est Delphine. C'est Delphine, c'est rien. Ça va, Tali? Oh, mais c'est que t'es toute mignonne, Tali. Bah oui, c'est que t'es toute mignonne. Bref, il fallait aller où? Fallait aller par là? Fallait aller par là. Je vois de l'or, donc je prends. C'est quoi ça? C'est robinet, oui, bien sûr. Raisin rame, c'est rien à foutre. Rien à foutre. Je prends tout, rien à foutre. Plus sérieusement. C'est par là. Donc en fait, il fallait vraiment tuer ses parjures. Donc, oui, ok, d'accord. Si tu le dis, je... D'accord, je te crois, je te crois. Bon. C'est quoi ce campement? Il y a un campement là? Carte SIM. Ok, donc c'était vraiment là qu'il fallait aller, d'accord. Bon. Vous êtes prêts à y aller? C'est vraiment très moche, l'animation qu'on vient de voir, c'est pas grave. Bon. Allons-y. Les elfes des bois ont un bonus de plus 50% résistance aux maladies et aux poisons. Je ne connais pas la suite. Ah oui, ils y vont direct. Aïe 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 aïe, mais pourquoi vous me mettez tous cher là? Non, un ronce-coeur. Ah d'accord, ah d'accord, ah, ah, d'accord. Ah, d'accord, je viens de comprendre. Ah oui, c'est vrai qu'ils piquent un peu quand même. Bon, du coup, ils sont 4, hein, mes potes. Voilà, et il y en a un qui vient d'exploser d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Non, pas Delphine, je m'en fous. Ça je prends. Ça je prends. Bâton de froid mordant. Ouais, vas-y, ça peut être cool. Tiens. Allons-y. Il y a un truc qui pourrait peut-être t'intéresser. Peut-être, hein, je ne sais pas après, mais. C'est considéré comme quoi? Non, mais. Ah, chaque fois je me fais avoir. Tiens, 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 cadeau. Est-ce que tu te la joues? Allons-y. Elle a l'air de s'en foutre pour le moment, du moins. On verra bien si elle se la joue en mode Gandalf comme le fait Lydia. Ça pourrait être sympathique, hein, franchement. C'est le genre de truc qui me fait bien rire, personnellement. Mais bon, c'est qu'un détail. Alors. Wow. Voilà qui est prometteur. Je suis d'accord. Oui, c'est une construction à Gaviroise, j'en suis certain. Il faut que nous abattions ce pont.
Ok. Les piliers, ils sont sûrement pour quelque chose. Oui, enfin. Oui, et ce sont des symboles à Cavirois. Voyons, il y a le symbole du roi et du guerrier. Et bien sûr, le symbole de l'enfant de dragon. Il est reconnaissable par cette espèce de flèche pointant vers le sol. Mm-hmm. Je ne sais plus, je ne connais plus cette énigme. Je vais pas vous mentir. Je dirais enfant oui, de dragon. C'est ça. Le symbole du pilier central. Voilà. Quoi que vous ayez fait, ça a marché. Voyant ce que les lames d'autrefois ont laissé sur notre chemin. Bien. Dans ce cas, il y a beaucoup de toiles d'araignée, ça c'est... Les lames sont pas très propres, hein, j'ai envie de dire. Ah oui, ça. Ça, c'est piégé. Il faut... Pourquoi vous arrêtez-vous ? Faites très attention ici. Vous oui. Ces symboles au sol. Esbern a raison. On dirait des plaques à pression. Nous passerons lorsqu'il n'y aura plus de danger. C'est ce que j'essayais d'expliquer. En fait, il faut passer... Sur celle avec le symbole de l'enfant de dragon, donc justement. Attention. Mais tu me fais plus peur qu'autre chose, tu sais. Tali, par contre, tu vas cramer un jour, je le sens. Parce que t'es conne comme mes pieds, voilà, tu décides de marcher en plein milieu, bah ouais. C'est comme ça. Nous passerons lorsqu'il n'y aura plus de danger. Oui, ta gueule, je sais. Ça a l'air fou. Avançons. Oui, je crois que nous approchons. Bon. Bah c'est prometteur. Putain, j'ai du sang sur mon truc, tout va bien. Allez, allez, cours, cours, cours. Delphine qui bug dans un mur. La maladie des bottes. Temple d'Avre-Ciel, nouvelle découverte. Attends, il y a un coffre. Je pille. Résistance à la foudre, ouais. Hache d'armes d'où émeur de flamme. Ouais, ma foi... Mas Dwemer, ma foi, je prends. Magnifique et remarquablement conservé. Mm-hmm. C'est vrai que c'est assez impressionnant, ouais. J'avoue. C'est quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était rien ça, d'accord. C'est juste le bouton d'Esbern à mon avis. Ah, voilà le sceau hématique. Un nouvel exemple d'art à Cavirois. Il s'ouvre normalement avec, eh bien, du sang. Votre sang, enfant de dragon. Regardez-moi hein ça. Vous voyez comme les lames vénéraient Raymond le Sirodil. Rien à foutre. Bon, soit. Activons. Regardez, attendez. Voilà l'entrée. Après vous, en il est normal que vous en priez. Impossible de savoir ce que nous pourrions y trouver. J'ai cru qu'elle serait quand même mal programmée et qu'elle continuerait quand même à marcher. J'aimerais vérifier un truc quand même parce que ça m'énerve. Pourquoi la musique est si basse? Balance la musique, mec. Sérieusement. J'ai même pas de musique là. C'est très lourd. Comme ambiance, c'est très désagréable. Du coup, je me dis que ça doit vous faire chier cette énigme de merde. Et il fait sombre, putain. Pardon, purée. Oui, excusez-moi, j'essaye d'être poli, c'est pas facile. Et quoi, t'es toute seule, Tali? T'es toute seule. Ah non, c'est bon, ils prennent leur temps, c'est normal, je suppose. Ils sont quand même lents, du. Allez, dépêchez-vous, les vieux, là. C'est fascinant. Des bas-reliefs à Cavirois originaux. Presque intacts. J'ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre ou bien, là. Sérieusement. J'en lâche ma torche, quoi, sérieusement. Putain, ah, mes yeux. Non. Vous remarquerez ici que les artisans à Cavirois commençaient à embrasser un style plus nordique. Tu m'en tamponnes l'oreille. C'est pour le mur d'Alduin, n'est-ce pas, Esbern? Oui, c'est vrai. Bien sûr. Nous prendrons le temps de faire le tour plus tard. Voyons ce que nous réserve la suite. Dépêchez-vous, c'est juste que tout ce que je vous demande, quoi, sérieusement. Regardez-les avancer à du 2 à l'heure. Allez, s'il vous plaît, les gens, un peu plus vite, non? Je sais pas.
Alors un tout petit peu. Archor, le voilà. Ah. Le mur d'Alduin. Si bien préservé. Je n'ai jamais vu de bas-relief à Cavirois de l'ère seconde aussi finement sculpté. Ah, pardon. Oui, oui. Voyons ce que nous avons là. Un mur. Quelle surprise. T'es surprise, hein, Tali, n'est-ce pas? Allons-y. Ouais, elle en a marre aussi. Bon. Voilà. oui, mon épée, s'il te plaît. Ah, mes Regardez. Yeux. Voilà Alduin. Ce panneau renvoie à l'époque où Alduin et le culte du dragon régnaient sur bord de ciel. Abrège. Là, les humains se révoltent contre leur suzerain. C'est la célèbre guerre draconique. La défaite d'Alduin est la pièce centrale du mur. Regardez, ici, il tombe du ciel. Les parleurs nordiques, ou maîtres de la voix, se sont déployés pour le vaincre. Et alors? Est-ce que ça prouve qu'ils l'ont vaincu? Est-ce que ce n'est pas pour ça que nous sommes ici? Patience, très chère. Les Acavirois n'étaient pas les plus directs. Tout n'est pour eux qu'allégorie et symbole mythique. Oui, oui, c'est vrai, sortant de la bouche des héros nordiques, c'est ainsi que les Acavirois symbolisaient un cri. Mais rien de précis sur le type de cri. J'imagine que celui-ci est lié au dragon, ou même à Alduin. Vous voulez dire qu'ils ont utilisé un cri pour vaincre Alduin? C'est certain? Ah oui. Ils n'auraient sans doute pas donné autant de relief au cri s'il n'était pas primordial. N'oubliez pas que ce mur devait servir de mémoire aux futures lames. Rien n'est laissé au hasard. Alors nous sommes à la recherche d'un cri. Mince. Vous avez déjà entendu une chose pareille? Un cri qui peut faire tomber un dragon du ciel? J'en ai sérieusement rien à foutre personnellement, mais bon, je vais demander aux Grisbarb, tiens, ils sont peut-être au courant. Vous avez sûrement raison. J'espérais les tenir en dehors de tout ça, mais il semble que nous n'avons pas le choix. Qu'est-ce que t'as contre les Grisbarb, ouais, sérieusement. Si on les laissait faire, vous resteriez le derrière sur la montagne, à vous adresser au ciel en leur compagnie, ou je ne sais quoi encore. Les Grisbarb ont tellement peur du pouvoir qu'ils ne l'utiliseront pas. Réfléchissez. Est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit pour arrêter la guerre civile ou pour s'occuper d'Alduin? Non. Et ils ont peur de vous et de votre pouvoir. Croyez-moi, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pensez à Tiber Septim. Vous pensez qu'il aurait fondé l'Empire s'il avait écouté les Grisbarbes? C'est vrai que les Grisbarbes n'ont peut-être pas tort. Le pouvoir est dangereux. Et puis, pour la guerre civile, C'est un peu des Suisses dans l'histoire. Ils sont ni du côté des sombrages, ni du côté des impériaux. Je vois pas pour... Enfin... je préférerais des Grisbarb suisses que des Grisbarb américains qui tapent... Enfin, qui foutent des tartes dans la gueule de tout le monde et qui disent gentiment de la fermer, quoi. Enfin, bref. C'est très imagé comme enfin, comme truc, mais c'est clair. Mais ils ont peut-être pas tort, ce pouvoir est dangereux. Si on ne sait pas comment l'utiliser. Tous les grands héros ont dû apprendre à se servir de leurs dons. Ceux qui fuient leur destin, on n'en entend même pas parler. Et puis il y a les méchants, ceux qui utilisent leur pouvoir à des fins néfastes. Il y a toujours un choix à faire. Il y a toujours un risque. Mais si vous vivez dans la peur de commettre des erreurs, vous finirez par ne rien faire. Comme les Grisbarbes, là-haut sur leur montagne. Ouais bah, je vais lui demander ce qu'il sait à propos de ce cri et fous-moi la paix. Tu commences vraiment à m'énerver, Delphine, sérieusement. Bien, c'est une bonne chose qu'ils aient choisi de vous accepter. Ça n'aurait sûrement pas été le cas pour moi, Westbern. Nous allons inspecter le temple d'Avre-Ciel pour voir ce que les lames d'autrefois ont laissé pour nous. Je n'aurais pas pu espérer une meilleure cachette. Que Talos vous protège. Ici, sur le troisième panneau, la prophétie ayant au départ conduit les Acavirois au bord de ciel à la recherche de l'enfant de dragon. Là, ce sont les Acavirois, les lames. On remarque leurs longues épées distinctives. Bref, on s'en fout. De toute façon, voilà, vous aurez compris, les lames, c'est des samouraïs, hein. Ils ont des grandes lames, tout ça. Ils aiment avoir des grandes lames comme ça et manier des grands objets pointus. Et, mon dieu, c'est pas grave. Bord de ciel, il y a moyen de passer par là. Oui, c'est plus court. Je m'en fous de leur conversation débile. Voilà, voilà.
Nous allons donc nous adresser au Grisbarbe de suite et essayer d'aller le plus vite possible en fait. Parce que franchement leur querelle à eux, j'en ai rien à foutre, la lumière de l'aube on s'en fout, ça on s'en fout. Un fichier sur la carte. Mauvais truc. Hop, au Rodgar. Oui, désolé, faut vraiment que je finisse cette truc là parce que ça va être le... Je ne sais pas, ça va être le 35e épisode si je dis pas de bêtises. Peut-être 36, je sais plus exactement. Mais ça commence vraiment à bien faire, sérieusement. Voilà, bref, au Rodgar.